pour nous expliquer les raisons. Bon, Olivia Koto, député d'Aokro Matakro, et promoteur, initiateur et promoteur des bacheliers d'or du Dufu. Je suis là en tant que père. Un père qui, n'est-ce pas, a eu ses enfants jubilés de joie après le bac. Et grâce à Dieu, ils sont venus dans des écoles les plus prestigieuses de la Côte d'Ivoire. Une des écoles les plus prestigieuses de la Côte d'Ivoire, l'Institut national polytechnique pour Bouane de Amsoko. Et ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ses études ici. Et ces jeunes qui sont là sont des grands cerveaux, des garçons très brillants et des jeunes dames très brillantes qui ont besoin d'être encouragées. Et donc chaque année, je sacrifie la tradition, venir d'abord m'acquérir de leurs nouvelles, me rassurer qu'ils vont très bien. Et leur porter mon soutien et mon encouragement. C'est ce que je viens de faire ce mardi 8 février 2023. 7. Et. Mardi 7 février. Ouais, c'est ce que je viens de faire ce mardi 7 février 2023. Et cette visite pour moi est une visite de courtoisie, une visite d'encouragement, une visite de soutien à ces jeunes qui, n'est-ce pas, constituent demain la relève. Et comme j'ai pour habitude de dire, les élites de demain se forment maintenant et ils ont besoin d'être encadrés, d'être soutenus. Et je suis venu aujourd'hui, vous avez eu des futurs ingénieurs, des futurs grands cadres de la Côte d'Ivoire qui sont ici présents. Ils ont besoin d'encadrement, de soutien depuis le début. Il ne faut pas attendre que demain ils soient des grandes directions, des grandes entreprises, des grands patrons en Côte d'Ivoire pour se reconnaître en eux. Vraiment, vous avez tout mon encouragement. Et surtout, c'est une des rares dames parmi ces jeunes brillants intellectuels. Et j'encourage aussi par ailleurs les jeunes filles à étudier, à croire en leur chance, à se dire que seul le travail paye, seul le travail peut les amener dans les grandes écoles prestigieuses de la Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations à vous et à tout le monde, c'était un encouragement. Voilà. Avancez. La dame, avancez, madame. Voilà. Vous allez vous présenter, dire ce que vous faites exactement. Je suis Kofi Aoudoriane Emmanuela, élève en prépa économie commerciale option scientifique. Mm-hmm. Quel est le message que vous apportez votre papa, le député de Daoukou? Ce mardi, c'est ce Un message pour vos jeunes frères qui vont passer le bac cette année? En tout cas, je les encourage à travailler dur, à figurer parmi les meilleurs, afin d'intégrer cette prestigieuse école. Merci. Présentez-vous, allez-y. Je suis Konakra Michel, étudiant en première année ingénieur à l'école supérieure de génie de l'industrie. Alors, est-ce que vous avez des difficultés particulières? Est-ce que vous avez le niveau, vous qui êtes venu de l'intérieur du pays par exemple? Oui. Après avoir fait 2 années de prépa, de classe préparatoire, là-bas qui était un système à part, et j'intègre l'école d'ingénieur, c'est vraiment un nouveau système. J'ai vraiment du mal à m'adapter, mais avec le courage et la persévérance, je pense que ça peut aller. Un message pour vos jeunes frères, les bacheliers, ceux qui vont passer le bac cette année? Bosser et confiance en vous. Okay. Intégrer l'INP, ce n'est pas vraiment facile, mais avec la bosse sérieuse, je pense que tu feras sa part. Merci.